Salut, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube GuiuDev. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre à jour la version de votre PHP et la version antérieure à la version d'aujourd'hui, PHP 8. À tout de suite. Là, présentement, moi j'ai déjà un WAMP Server déjà installé, mais nous allons encore reprendre une nouvelle installation, changer le répertoire d'installation pour aller pas à pas. Donc nous allons d'abord installer WAMP Server. Je mettrai le lien pour télécharger cette application dans la description de la vidéo. Ok, je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant, nous allons mettre WAMP 64 underscore 1. Suivant, installer. Donc, nous allons laisser l'installation finie. Donc nous irons dans le C WAMP 64 underscore 1. Nous allons lancer le WAMP manager.exe. Donc c'est en cours d'exécution. Ok, voilà, ça passe au vert. Nous allons rapidement consulter les différentes versions de PHP dans ce serveur. Donc nous avons la version 5.6, 7.0, 7.1, 7.2 et 7.3. Maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est de mettre à jour à la version du jour. Nous allons rapidement installer les mises à jour qu'il faut pour la nouvelle version. Donc déjà, nous avons besoin de télécharger quelques mises à jour. Nous irons sur le site de wampserver.aviatechno.net, donc qui nous permet de télécharger les dernières versions de PHP, de WAMP et de Apache. Donc déjà nous avons téléchargé celui du PHP. Ça dépend aussi de l'architecture de votre système. Ici j'utilise 64 bits. Pour ceux qui utilisent 32 bits, vous pouvez télécharger celui-ci. Donc, vous cliquez sur télécharger, vous cliquez sur la version et vous demande de télécharger. Donc ici, comme moi je l'ai déjà, je n'ai plus besoin de le télécharger. Pour ceux qui sont dans le besoin, je vais mettre le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc je vais fermer et dans WAMP PHP 8 update. Donc ici, c'est la version, ce qu'on veut télécharger. Donc nous avons besoin de PHP 8 ADDON. Donc ADDON,
Il y a deux versions, 64 bits et 32 bits. Ici, mon architecture, c'est 64 bits. Donc, je vais prendre celui de 64 bits et l'installer. Bon, avant l'installation, je vais d'abord fermer et couper la liaison avec le serveur en cours. Fermer. Donc, français. OK. Donc, suivant. Installer. Ok, déjà il nous renvoie une erreur. La version de OnePlus Server installée est 3.1. Un site à jour ne peut être effectué que sur une version 3.2. Donc nous irons sur notre site et télécharger l'update de OnePlus Server. Donc ici nous allons voir OnePlus Manager. Donc OnePlus Server Update 3.2, on le télécharge. Donc, on le télécharge, c'est en cours. Voilà, ici nous avons OnePlus Server 3.86.64 Update 3.26. Donc je n'ai plus besoin de le retélécharger puisque je l'ai déjà téléchargé. Donc j'irai dans le dossier là où je l'ai mis. Donc ça fait, c'est ça qui est là. Donc je vais lancer l'installation. Ouvrir, OK. Le dossier concerné, c'est notre dossier 64 underscore 1. Donc, on laisse pas de faux couleurs OnePlus Server. Suivant, installer. Voilà. Suivant, terminé. Maintenant, nous allons revenir encore sur notre installation. La mise à jour de PHP 8.0.13. Donc, nous allons faire précédent et installer maintenant. Et tout passe très bien. Voilà. Donc, suivant est terminé. Nous revenons sur notre. Nous allons encore exécuter OnePlus Server, ce que nous venons d'installer, pour voir si réellement la mise à jour a été prise en compte. Donc, soft PC. Ce PC. 64 underscore OnePlus. Donc voilà, nous allons mettre le chaos. C'est toujours en cours. Voilà, local host. Notre serveur n'est pas encore démarré, c'est toujours sur le voilà, couleur verte. Donc nous allons exécuter. Voilà, donc nous irons sur l'espace php my admin entrée php my admin, on exécute. Donc tout s'affiche très bien. Tout est normal. Là, voilà la page d'accueil de PHP MyAdmin. Donc, nous allons voir si réellement la dernière version de PHP est présente. Donc, nous irons dans PHP version. Voilà, effectivement, nous avons PHP 8.0.13. Donc, nous allons choisir cette version et réexécuter notre page d'accueil PHP de PHP MyAdmin. Donc voilà, tout marche bien. Nous allons actualiser cette page. Ah, nous avons une petite erreur. Il nous dit fatal error, tout ça. C'est dû à quoi? À la version de PHP MyAdmin. Nous devons mettre aussi à jour PHP MyAdmin. Vous voyez, il y a une erreur qui s'affiche ici.
Donc la version 5.8 est obsolète après mise à jour du PHP 8.0.13. Donc nous irons sur notre site télécharger la dernière version de PHP MyAdmin, donc qui se trouve ici. Voilà, PHP MyAdmin 5.1. Nous allons le télécharger. Donc WAMP PHP MyAdmin 5.1, moi je l'ai déjà téléchargé, j'ai plus besoin de reprendre le téléchargement. Donc c'est ça qui est là, je l'exécute. Exécute, ok. Notre dossier suivant, remplacer la version existante, non. Nous allons maintenir l'ancienne version et ajouter la nouvelle version. Ajouter la version existante. Suivant, installer. Voilà. Donc après installation, nous allons vérifier si cette mise à jour a été bien effectuée. Donc nous allons exécuter, c'est-à-dire rafraîchir la page de PHP MyAdmin pour voir si c'est bon. Donc entrer. Voilà, non, attention, tout n'est pas au point. Attention, nous allons reprendre et redémarrer le WAMP. Le WAMP serveur. Voilà, on réexécute le WAMP. Il faut normalement redémarrer après la mise à jour du PHP MyAdmin pour que les modifications puissent être prises en compte. Donc, nous revenons, nous actualisons. Toujours notre erreur. Donc, nous venons ici. On choisit la version 5.1. Voilà, tout passe bien. Root. MySQL, choix du serveur, exécuté. Et voilà, nous avons notre PHP MyAdmin qui est actif. Nous avons PHP MyAdmin 2.4, la version du PHP en cours 8.0.13. Et voilà, la version de PHP MyAdmin à jour 5.1. Donc vous avez le libre choix de revenir encore sur PHP 4.8 au cas où vous êtes. Vous changez la version du PHP ou de Apache. Donc, c'est ça. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un commentaire au cas où vous avez des préoccupations et des suggestions à faire. Allez, portez-vous.